Le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération Youssef Imrani s'est entretenu vendredi à Rabat avec Wendy Sherman, secrétaire d'État adjoint au département d'État américain en charge des affaires politiques, dans le cadre de la poursuite de la dynamique initiée par la première session du dialogue stratégique Maroc-USA. Nous avons discuté non seulement du développement économique et de la sécurité, mais aussi des réformes politiques et démocratiques, parce que ces trois éléments vont ensemble. Le Maroc a pris un engagement et partage les valeurs des États-Unis, qu'il s'agisse de valeurs démocratiques ou des droits de l'homme. Il a aussi fait en sorte que les familles puissent élever leurs enfants tout en recevant une bonne éducation afin d'obtenir un bon emploi. Le Maroc a œuvré pour être un leader non seulement pour son propre intérêt et pour son propre peuple, mais aussi au niveau régional et international. A leader not only for its own interests, for its own people, but regionally and in the world. So today we have worked on the security issues and political issues. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur des questions de sécurité et des questions politiques. Nous avons échangé analyses et visions sur certaines questions et aussi à propos de la situation dans la région et le processus de paix en Syrie. Nous avons appris avec grande attention la vision qu'a exprimée la responsable américaine et aujourd'hui, nous continuons de développer davantage nos efforts et nos relations bilatérales. Was expressed by our colleague from the US State Department and that we shared together. How to move forward. I think we are building today a strong relationship. We are continuing in this our endeavor. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a abrité les travaux des deux groupes de travail politique et sécuritaire dont les réunions viennent renforcer les consultations régulières entre les deux pays. Lors de ces réunions, la partie marocaine a exprimé sa forte détermination à enrichir le dialogue stratégique pour mettre en œuvre de nouveaux mécanismes de coopération. Thank you.